Ami barman, ami internaute, ami youtubeur fidèle de la chaîne de la 25e heure, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tuto cocktail. Ce soir, je vais vous présenter un cocktail très original. Un, il est sans alcool. Et deux, il n'a pas la couleur du cocktail habituel que vous connaissez. Alors, je vous présente la réalisation, mon interprétation d'une sangria blanche sans alcool. Une sangria, vous savez, toujours à base de vin rouge, macération de fruits. Comment on peut faire une sangria blanche? Avec du vin blanc et d'autres ingrédients, et sans alcool, on va utiliser des jus de fruits, une macération de fruits. Alors, vous allez choisir un beau verre ballon, bien généreux, bien rafraîchi. Et puis ce soir, pour bien vous montrer ma démonstration, je vais faire un pré-mélange dans un verre à mélange. Alors, il va être constitué, mon cocktail. Pour un verre, on va mettre 1 centilitre de jus de citron jaune. Toujours du jus de citron jaune fraîchement pressé. Je vais rajouter 3 centilitres. Là encore, pour que mon cocktail soit très bon, de jus d'orange fraîchement pressé. Et je ne l'ai pas dépulpé. Je vais rajouter 4 centilitres de jus de pomme clair. Complété par 4 centilitres de jus de raisin. Si vous voulez à ce moment-là chez vous, vous faites une base plus grande, ça peut même se préparer en bonbonne de 3 litres, et puis vous mettez quelques fruits à macérer. Mon verre, bien rafraîchi, je viens le couper de glace. Soyez toujours généreux, et puis je viens bien mélanger mes ingrédients. Et je viens verser mon produit. Si vous voulez, à ce moment-là, vous pouvez compléter avec un tonic, 3 centilitres, ou une limonade, 3 centilitres aussi. Et puis, je vais venir rajouter les fruits en présentation dans mon cocktail. Un peu de pomme, un peu d'orange. Si vous avez du raisin, parce que c'est la saison du raisin, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de raisin. Et puis dessus, je vais venir rajouter une belle décoration à base de pommes pour donner un effet plus sympathique pour vos clients. On termine avec une belle paille. Et voilà, je vous présente mon interprétation d'une sangria blanche très rafraîchissante, très agréable. Puis je vous souhaite une bonne dégustation. Puis je vous dis rendez-vous bientôt pour un nouveau tuto cocktail sur la chaîne de la 25e heure. En tout cas, je peux vous dire que c'est très très bon. Merci beaucoup, à bientôt. Ce tuto vous a plu et organiser un atelier cocktail vous tente? Alors contactez-nous vite en nous envoyant un message. Et surtout, n'oubliez pas, partagez, likez et abonnez-vous à la chaîne de la 25e heure. À bientôt.